Het is een andere keer. Sander keer. Hey, Sander keer. Hey, Sander keer. Thank you.
Nous avons ici le piano pour retrouver dans quelques instants, on va compter la tombola. Nous avons joué au 74e. Et nos crampes gevoeld nadien. Ik heb veel gedronken en van veel bijgedronken in de afdaling. Ja, wel bekend gezicht, maar. Even een moeilijk moment daar in dat huis. Mini marmot. Mini marmot. Neuf mil et quelque chose. Là, 9 000, 600, 8 8. 10 minutes. Wouh! Mais le patateur, le patateur! Hey! S'il vous plaît. Merci. Guy Peters et Jean-Yves Salo qui ont franchi la ligne d'arrivée 144 km/h. Ja. Dat is een zelfgemaakt busje. Dat is een busje. Blauw. Ik spreek er niet uit. Ik spreek er niet uit. Ja. Ik heb er gehoord. Christophe Poulen. Deuxième partie d'histoire. Ami Mama. 350. Bravo. Merci. C'était la meilleure. Merci. Dans ma catégorie. 566 ans. Hello, c'est la dégueuille. 2 velo's. Ja, daar zit dat. Dat is de andere mijn. Dank je wel. Je mag van alles 3 stuks nemen, zegt die man. Dus 3 stuks? Ja. Van alles 3 stuks. Ik ga van hier nog een paar. Ja? Voor mij is dat toekomst met van die confituur tussen. Eentje. Eentje. Et on est là pour se faire plaisir et je crois qu'aujourd'hui beaucoup de gens se sont fait plaisir et puis merci à Jean-Louis, merci à Sport Communication puisqu'ils sont là-bas, il y a beaucoup de monde. La deuxième et la troisième.
une paire de roues aérosélite, n'est-ce pas? Exactement. Et deux séjours offerts par MMV. Voilà, merci beaucoup messieurs. Fonte Mart, ici présent. Voilà, ils montent sur ce podium. Merci à toi. Le deuxième, c'est Jean-Pierre Chapuis qui nous vient de Saint-Julien-Laval. Et le premier, il vient de Bourdoisan, Jean-Paul Durand, donc son fan club ici présent. Le premier vainqueur de la marmotte ici présent, peut-être quelques mots. Eric au micro. Oui, tout à fait. Donc premier vainqueur de la marmotte ici présent. Il avait gagné la troisième édition de Fonds-Mours. Alors un mot sur la première marmotte à laquelle vous avez participé. Vous avez gagné donc la troisième édition. Elle a bien grandi la marmotte depuis. Hein. C'est plus important. Un jour par année, je prends la ville en course et je suis ici. Et bien, là aujourd'hui, comment ça s'est passé pour vous? Pas très bien. Quel âge avez-vous? 66 ans, ouais, bah c'est bien, bravo. On peut l'applaudir évidemment, vainqueur de la troisième marmotte. Catégorie G2, deux personnes, deux cyclistes classés. Le deuxième, c'est Francis Mandine. Et si on a peu de marge du podium, on accueille Michel Huyot. Francis Mandine. C'est les aînés, hein, on est bien d'accord. Hein. Et oui, 67 ans et plus. Hein. Nos aînés, nos masters. Francis Mandine. Que concernant eh bien, la mi-marmotte, c'est Valoir, donc l'Alpe d'Huez, avec le programme évidemment de cette moitié de la marmotte. Et pour l'intervenir régulièrement sur le podium aujourd'hui, on peut l'applaudir. Et il se doit, troisième étape. Son temps, bien entendu, 6h, 29 minutes et 37 secondes. Allez, alors que l'on va recevoir la deuxième. Alors malheureusement, on est désolé de voir que bien certains ne sont pas là pour les podiums, mais c'est le cas ici avec la deuxième, Magdalena de Saint-Jean qui est absente. Hein. Magdalena de Saint-Jean, donc absente, le team Ecoy, son temps 6h20 40 secondes. C'est une dame qui a terminé la troisième place et dernière la marmotte, première féminine. Elle a terminé troisième au chemin de France élite derrière. Deuxième belge qui va nous retrouver ici, son temps 6h20 37 secondes, monde de saluer comme il se doit évidemment Edith Van den Brande. Edith Van den Brande, le team VTech, team Grand Fondo qui monte sur la queue de marche de son podium sous vos applaudissements. Merci public. Voilà, on peut l'applaudir avec VTech. Et Gerinta, donc la Belgique à l'honneur sur ce podium avec nos deux dames présentes parmi nous ici que l'on a le plaisir à saluer comme il se doit. Une victoire à l'arraché. On rappelle qu'avec les décomptes des temps de la descente du Glandon, il n'y a simplement que 2 secondes et exactement 17 centièmes donc d'écart. Edith Van den Brande, souvenez-vous, toujours très bien placée sur les épreuves de trophée. Elle a remporté, bien entendu, dans sa catégorie les trois ballons, entre autres. C'est une amoureuse des Alpes, des ballons d'Alsace, donc félicitations donc, à cette championne Edith Van den Brande. Bravo à toi. Merci beaucoup. Allez, vous restez là pour accueillir maintenant le podium homme de cette marmotte.